Salut tout le monde, ça y est, on est bien arrivé du côté de Abu Dhabi. Seulement 6 heures de vol, donc ça s'est pas trop mal passé. C'était un petit peu compliqué de dormir, mais écoutez, voilà, nickel. Donc la prochaine étape, on récupère les bagages en sachant qu'il y a encore une boîte de suspension. On croise les doigts pour la récupérer à temps. Les fringues de moto, tout ça, c'est toujours un peu stressant. Donc voilà, première étape, récupérer les valises. Ça c'est la bonne nouvelle, on a les valises. Donc ici en fait tu déjeunes, t'es dehors, donc il fait 28 degrés et là tu te dis mais en fait il fait pas si chaud que ça, tu vois. Et en fait j'ai compris. Il climatise les extérieurs. Du jamais vu. Alors on est bien arrivé à l'hôtel, mais on peut pas récupérer les chambres avant 15h. Du coup il est 9h du matin, on a été déjeuner. Bon par contre l'hôtel là on s'est trouvé un petit transat pour faire une petite sieste. Et là l'hôtel, ça a de la gueule quand même. Avec vue mer, donc vue bras de mer. Comme vous pouvez le voir. De chez nous, hein. On a enfin trouvé. Putain, putain. Oh, oui. Oui. We finally find. Ok. Ok. Chaud. Ouais, putain. Vous avez fait bon, bon, hein. Ouais, ouais, bon, ça. On est arrivé, il nous annonce 28. On est sorti de l'hôtel. Ah, t'as trop chaud quand t'as plus le climat. Ah ouais. Bon, on y est pas allé encore, bon, peut-être qu'on va boire un truc en terrasse. Donc voilà, on est bien arrivé du côté du stade. Un petit peu galéré à trouver la place, que tout est un peu étendu et tout. Voilà, notre team est là derrière. Donc les mécanos viennent de récupérer les motos. Après 3 mois, voilà, depuis Birmingham. Donc pas mal de boulot sur les motos. Donc moi j'ai ramené mes suspensions qu'on avait à l'entraînement, parce qu'on a fait des nouveaux settings, etc. Qui normalement marchent bien, on espère, on croise les doigts. Donc voilà, le team est là. Je vais vous montrer vite fait ce que font les mécanos maintenant. Donc voilà, on a les cotes Tomassini qui travaille sur les boîtiers, mon mécano qui fait la moto, là, pneu neuf pour le week-end. Et voilà, ils ont du boulot. Et bah c'est pas grand. C'est pas grand, une terre vachement sablonneuse. Mais première impression, plus des pistes qu'on a l'habitude de voir par chez nous en Europe, comparé à ce qu'on a vu normalement en Australie et tout, avec vraiment des gros stades type US. Là on est plus sur une piste européenne. Donc franchement c'est cool. Franchement c'est cool, on va dire que pour nous, en tant qu'Européens, en tant que Français, c'est déjà une bonne chose. Le seul et l'unique Jean-Jacques Tessier. Salut mon Jojo. Allez hop, un petit Ferrari World. On a vu les manèges, je me suis déjà dessus. Thank you.
déjà peur. Avec le building Ferrari derrière. Bon alors, truc sympa. 240 km/h en 4 secondes sur un manège, ça retourne le bide hein, les amis hein. Mais c'était cool, on a passé un bon petit moment. Là on est bien retourné, on devait faire un autre manège, on n'a pas voulu y aller. Donc là bah voilà. Mais écoutez, le manège le plus rapide du monde, c'est à faire. Et voilà, une première journée de terminer ici à Abu Dhabi. C'est dommage, on n'a pas pu filmer dans les manèges, c'était interdit, mais franchement des sensations de ouf hein. Donc on s'est bien éclaté, on a bien rigolé, on a passé vraiment un bon moment. Le Ferrari World, franchement c'est à faire, c'était vraiment un truc de fou. Donc là voilà, maintenant petite vue mer pour ce soir, bien illuminé, c'est vraiment sympa. Ce soir on va juste faire un petit resto avec le team, on va bien se reposer parce qu'on est un petit peu en décalage avec les avions, on n'a pas beaucoup dormi, etc. Donc voilà, une petite soirée tranquille avant d'attaquer demain, ou est-ce qu'on va aller voir la piste. On va aller voir la piste, on va découvrir la piste, on va vous faire partager, on va vous faire le tour de la piste, voilà, on va faire le tour de la piste avec vous pour vous montrer à quoi ça ressemble ici à Abu Dhabi. Donc voilà, une bonne soirée à tous et je vous dis à demain, vendredi, pour la découverte de la piste et les premiers essais. Ciao ciao. Nous sommes vendredi matin, on vient de récupérer le beurre, direction le stade. Aujourd'hui, on va voir un peu la piste, le contrôle technique, les premiers essais qui commencent à 15h. On a exactement 2 fois 8 minutes d'essai. Donc voilà le programme de la journée, on vous fait suivre tout ça. Ici c'est comme ça, comme peut y avoir du patinage, ça peut faire un peu la différence, sinon c'est toujours pareil. Heureusement que j'ai changé mes chaussettes hein. On aurait été pareil avec Roxane. Il a les chaussettes que j'avais hier. Faudra que tu fasses une petite vidéo. Je vous l'avais dit, il a les mêmes chaussettes que moi. C'est beau ça, hein, les mêmes chaussettes que Roxane. Ah, ça pourrait être pas mal. Hein. Là, tu passes d'une salle climatisée à un enchaînement, un virage, un petit enchaînement à 35 degrés. Petit choc corporel. C'est pour ça, ici, tu vas super vite. When we finish his briefing, can you all walk down to the way you come through there?
vendredi qui se termine du côté d'Abu Dhabi, où est-ce qu'on a eu un petit essai de 8 minutes pour essayer la piste. Donc une texture de terre un petit peu souple qui fait des ornières, mais assez sympa à rouler. Ensuite la piste, il y a vraiment des endroits assez petits, dont la partie extérieure où ils ont fait beaucoup de chicanes, etc. Apparemment ils vont changer des petites choses pour demain, donc à voir qu'est-ce qu'ils vont modifier. Donc voilà, on va dire qu'un premier feeling correct pour un premier essai. J'ai été satisfait, on va faire des petits changements sur la moto qu'on va essayer demain aux essais. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne nuit et on se dit à demain pour la race day. C'est pratique pour aller au stade. Allez grimpe. Coucou, nous sommes samedi matin. Il est exactement 10h29, nous sommes le 4 novembre. La belle vie à Abu Dhabi. Premier essai exactement à 11h30 pour moi. Petit changement sur la piste, on verra, c'est cool. D'ailleurs, dans une minute, il y a le track walk qu'on va aller faire. Et voilà. Voilà, un week-end terminé du côté d'Abu Dhabi qui s'est pas terminé comme on l'aurait voulu. Comme vous pouvez le voir, un petit peu amoché au niveau de la tête, mal au poignet. Donc voilà, c'est dommage parce que je pense qu'il y avait le potentiel ce week-end pour faire quelque chose de beaucoup mieux que ça, avec un bon temps chrono, une manche qualif où je me bataillais pour le top 5. Ensuite, une première finale où j'étais 7 et à Wilson et je perds l'avance super fort à la réception du triple dans le dernier tour. Donc voilà, à partir de là, après, compliqué de continuer. J'ai quand même fait la deuxième finale qui s'enchaîne tout de suite. Donc à chaud, le poignet, ça allait. Mais au fur et à mesure du roulage, j'avais un peu de plus en plus mal. Et entre la finale 2 et la finale 3, il y avait 30 minutes d'attente. Et là, le poignet a refroidi et j'ai quand même voulu partir pour essayer. Voilà, pas abandonné, mais au sighting lab, j'ai senti que ça allait pas être possible du tout. En sachant qu'en Supercross, faut quand même être en forme. Et j'ai pas pu prendre le départ de la finale. Donc voilà, déçu du week-end parce que je pense qu'il y avait quelque chose de pas mal à faire. Mais bon, c'est le sport, c'est les risques du sport. Et on va se remettre à 100% pour être prêt dès le week-end prochain pour Stuttgart.